Ah merde, j'espère que j'ai filmé les chevaux. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai dû trop tirer sur la chaussette et ça a appuyé sur arrêt enregistrement. Oh le con. Bah retourne filmer, vas-y. Le mec, il est nul. Du coup, je sais même plus si j'ai filmé des chevaux. Oh non. J'ai merdé à l'enregistrement. Bon, bah, je recommence d'abord avec les chevaux parce que le temps que la caméra fasse une rotation, c'est reparti pour un tour. Alors, est-ce que tu vois bien que ça filme? Ah, là, oui, j'ai le chrono. J'ai le chrono, j'ai le chrono. Bon, mais il est beau comme tout. Quoi? Ah, des véhicules de, ouais, d'exploitation hippique. Attends, j'essaie de mettre ma main, mais le capteur est troublé, ça fait flou, et j'arrive pas à filmer le cheval parce qu'il est à contre-jour. Non, mais on repassera tout à l'heure, puis avec un peu de chance, s'il y a quelqu'un qui passe, nous demander si on a le droit de s'approcher à 2-3 mètres des chevaux pour les filmer vraiment de près, parce qu'ils sont beaux comme tout. J'adorerais avoir l'autorisation, mais Bon, bon. bah tiens, ça n'a pas été fait. Comme je connais pas le. Oui, c'est vrai. Comme je connais pas l'exploitation de éperons là. Mais je suis déjà content d'avoir pu approcher à cette distance les chevaux, tout en restant sur la voie publique. Bon, alors, on se disait parc de Brabois, nouveau panneau. Voilà. Donc, tu disais, ah, la fontaine Là, je vais te montrer avec le le paysage. Oui, il faut que je m'assure que j'enregistre. Alors, on ira sur place et puis je zoomerai davantage aussi, mais. Oula, je suis en train de rendre full Combien zoom. on fait? Regardez quelqu'un là, si tu veux. Je veux poser la question. Ah! Ah bah oui, non, c'est la fermeture du portail. Bonjour. Bonjour madame. Oula. Oui, ouais, il ferme mal le portail. Ouais. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Non, on verra tout à l'heure. Je crois que chez nous, c'est récent. Je pourrais pas te dire. Je me souviens de l'endroit il y a des années, mais est-ce que le jet d'eau est désactivé? Je sais pas. Hop là. Bon, allez, je te suis. Allons-y. Alors qu'il y a un vététiste qui dévale la pente. Oula. Oh, les beaux chevaux. Ils se tournent tous vers leur congénère. Ah oui, non, ils sont intrigués par le vététiste, je pense, les chevaux. C'était quoi qui passait en trou? Beau. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Décidément, on va visiter toute une ferme, c'est pas possible. Il y a trop d'animaux. Oh, il y a des chevaux qui se font la causette entre eux, chacun dans leur box. Allez, sur Jean de Mayonnais, qui fait que quoi, des cochons à filmer. Ah oui, oulala! Il y en a d'autres qui sont carrément.
Eh bien, les belles bêtes. Attends, je vais essayer de filmer au-dessus, au-dessus de la grille. Oh, qu'ils sont beaux. Il y en a qui courent là, qui est tout content. Oui, ils courent, ouais. Oh la vache. Oui, ils se défoulent. Attends, mais il y a trop de chevaux à filmer en fait. Il y en a plus qu'avant. Oui, ils courent comme un fou l'autre à droite. Attends, on va s'approcher là, c'est pas possible. Attends, mais il court comme un fou furieux le cheval. Il est déchaîné. Alors, je sais pas si vous allez réussir à le voir. C'est la madame qui le faisait courir. C'est sa cavalière qui le faisait courir. Waouh. Hop. Oh là là. Ah, c'est bien. Eh bien. Mais on repassera, je pense qu'on fera sûr au moins un passage parce qu'on ressortira par là en fin de journée, mais on en fera peut-être d'autres. Parce que le parc est pas si grand que ça. Là, c'est le centre aquatique, faut aller par là. Ah ouais? Ouais, non, là ça mène au camping. Ah, tu me l'apprends. Attends, est-ce qu'on peut, tu veux passer par le camping ou pas? Bah non. On va passer par là. Là, je te fais confiance. Non, il n'y a pas besoin de passer par le camping. J'ai déjà fait le parc. J'ai un peu près permis si ça a changé la végétation. Je me rappelle à peu près la forme. La distance. Ah ouais, le parc est superbe. Je me demande si je vais retrouver la grande allée qui semblait boisée comme à l'époque. Bah tiens, on est en plein dans l'axe de la tour de cristal, là. Piège de cristal, tourtière. Ouais. On le voit en profondeur. Bah si. Ah si. Si si. Ah si, je reconnais, oui. Vas-y, tu... Alors à gauche. C'est toi le chef. Je te fais confiance, t'as analysé le plan, tu l'as mémorisé. De toute façon, c'est délimité. On va faire tout le grand tour. Je te rassure, on peut difficilement se perdre. Hein. Oui. Donc pas besoin de faire confiance. Ah, je ne l'ai pas vexé du tout. Ah, prochaine intersection, je te propose, est-ce qu'on s'arrête à un banc? Oui. J'ai déjà soif. Pour te dire. Faut que je me ravitaille. C'est pour ça que je dis plus rien en fait.
Donc du coup, on a eu du bol de se présenter avec la grille ouverte. Ben oui. C'est l'endroit où c'est fermé. Donc c'est bien, j'ai pu filmer les chevaux sans le grillage devant moi. Ouais. Sinon, j'aurais porté la paire, j'aurais fait comme ça. Ouais, ouais. C'est ça que j'aurais dû faire, un jus de raisin. J'ai pas pensé. Je saurais qu'à la prochaine fois. De toute façon, je sais pas si ça sera plus en septembre. Là, il y a un banc. Donc, la grande allée centrale. Tu vois le petit parc là? Ah, je suis le marais. Alors, on se met sur la table? Pardon. Avec le banc? C'est là de plus autre chose qu'un table classique. Oh la vache! Oh la vache, les marrons au sol. Oh le marronnier, il faut faire gaffe de ne pas se prendre des marrons dans la tronche. J'espère qu'ils sont tous tombés, les marrons de l'arbre. Ah. Attends, moi je vais éviter les contre-jours. Oh la vache, attention, j'ai des munitions d'ayonnais. Il y a des marrons qui tombent. Il y a un fil de fer, je sais pas pourquoi. Oui, je t'ai touché. Ah, attends, merde, la perche est en train de filmer n'importe comment. Ah, attendez, je m'assois, je règle la caméra après. J'ai appuyé là où il fallait pas. Pardon. Ah, magnifique. Magnifique. On a fait 12 000 pas presque, 8 km au moins. Et j'ai surtout soif. Oh le bonheur. Oh, est-ce que je peux t'en réclamer un verre s'il te plaît? Ah, alors j'ai été très indélicat parce que j'ai bu la bouteille. Non, j'en prends pas. Je suis désolé. J'ai été très indélicat, je me suis réservé mes bouteilles. Je suis vraiment vilain, c'est je suis pas désolé. Grave, quoi, je vois des vitamines et... Ouais, ah, je suis désolé. Mes deux bouteilles, c'est du recyclé. D'accord. En fait. Ah, okay. Parce que c'est par rapport à la date qu'on avait convenue déjà. Ouais. Au niveau des dates. Et du coup, j'ai bu dedans en disant j'ai peur que ça se perde. Oui. Donc j'ai renoyé dans de l'eau et j'ai bu que ça fasse dedans. Je suis désolé. D'accord, pas de soucis. Non, non, mais à coup pas, je suis vilain, mais... Ah, quoi que, attends, non, je dis des conneries. Non, attends, celle-là, elle est vierge. Ah, je suis un idiot. Merci beaucoup, le sachet. Elle est vierge, Charla, tu peux, c'est la dolite. Très gentil à toi. J'ai réfléchi, tu sais, je me dis, mais je suis vraiment un salaud. Puis je me dis, mais j'en ai racheté une depuis que j'ai refait les courses. Partager, en plus, j'aurais pu penser à prendre des vitamines avant de partir. Quoi. Oui. Non, ça va, bonjour, monsieur. Bon, après, il y a plein de sucre, mais ça prend. Non, c'est vrai que celle-là, je l'ai rachetée de mes précédentes courses lors de notre premier décalage de rendez-vous de randonnée. Eh oui, non, je suis un monstre, moi. Là, je me sentais encore une nouvelle fois honteux. Mais non, ça va, ouf, je me sens mieux vis-à-vis de toi, mon pauvre. Non, l'autre que j'avais personnalisé, là, la troisième, du coup, qui n'est pas avec moi. Non, elle est chez moi, elle est sur ma table de salon. C'est celle que j'avais sirotée là. Non, je t'en prie. Durant mes directs. Il n'y a personne qui passe. Un petit lancer de marron. Ah, je vous le montre. J'ai un beau marron qui était sur la table. Hein. J'ai même pas eu un... Ah merde, j'ai même pas eu à me pencher. J'en ai un deuxième. Tiens. Ouais. Grenade. Ouais. Là-bas. Ouais. Là, l'avalanche se produit et la ville de Nancy est détruite. Oh non, mon Dieu. Le but est de toucher le tronc en face. Oh, presque. Il est passé à 10 cm. Ouais. Il n'y en a pas un autre. Là, je vais faire l'idiot. Ah oui. Bon, là, je me penche. Mais... Je m'abuse comme un gosse. Eh bien, tu sais quoi? On est là pour ça. Ouais. Si t'as faim, c'est l'heure de manger. Il est midi, mais... Ouais, si tu veux faire crasse-croûte. Ouais, crasse-croûte. Ouais, merci.
Moi je vais plus santé parce que j'ai super faim. Bon bah comment si t'as faim? Et sur mes deux sandwichs, j'en prendrai qu'un, je pense, au début. Je sais pas si je mangerai les deux. Bon, bah, bonne app. Oh, le hôte. Attends, je regarde qui est. Faut surtout pas que je te le foute dans la tronche. Ouais, si je serais encore capable de. Tu sais, ils glissent de la main et pendent dans ta tronche. In your face. Non, je suis nul, j'arrive plus à lancer. C'est rigolo le voir rouler sur la vidéo. Mais c'est vrai, d'être au pied d'un marronnier. Attends, je vais sortir un truc hygiénique de serviette. Mais j'ai. Non, mais il y a casse blessé, il y a plein de munitions. Le fait d'être... j'ai touché. Filmé. C'est vrai? Oh merde, ouais. Enfin, j'ai regardé le ralenti. Deux essais. Bravo. Faudrait que je regarde le ralenti. Mais merde, j'ai un truc de sopalin. Au pire, je prends un mouchoir, mais ça, c'est dégueu. J'avais pris normalement des grandes serviettes, c'est là où je me rends compte que je les ai retirées. Ah, attends, ça c'est pour. Bah tiens, c'est pour mon sandwich de. Oh merde, j'ai tiré un câble. Ah bah tiens. Tant qu'il est là le câble, allez hop, je filme et je recharge en même temps. Comme ça, on filme notre déjeuner. Ah. Dommage que t'aies pas vu. De quoi? Ça a été filmé. Ah oui, ça a été filmé. Bah, j'aurai le plaisir de le revoir quand on fera la rediffusion Twitch. La rediffusion Twitch. Attends, je cherche à me déployer. J'avais oublié. J'ai un dessert écrasé, mais comestible. Des rochers coco. 9-11. Ah oui, c'est encore bon. De l'année, hein, je rassure, mais bien, bien éclaté au fond du sac, mais comestible. Des rochers coco. Oh là 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 là, ce bazar. J'ai un fascicule sur la guerre. Enfin non, c'est du matériel militaire. Pardon, c'est horrible. Tiens, ça t'intéresse? Attends, si tu veux lire. Je sais plus, j'ai vu ça. C'est quand je suis allé avec ma frangine au sanctuaire des papillons à 10 bornes de Colmar. Alors c'est fou parce que à un week-end près, on s'est rendu compte que seul Goodman et moi, on a failli se croiser au sanctuaire des papillons de Colmar, il y était aussi. Mais il y a un week-end de décalage dans le calendrier, c'est fou. Bref, il y avait un présentoir avec toute l'activité économique et touristique aux alentours. Et il y avait ça qui m'avait tapé dans l'œil. D'ailleurs, il faudra que je reprenne le fascicule parce que ça avait tapé dans l'œil de mon patron aussi, patron Japon. Donc la prochaine fois que je le revois et qu'on bosse ensemble, il faut que je lui ramène, il va le lire attentivement. Donc je sais pas... Parc français même, enfin attendez, il faut que je mette ça dans la lumière. Excuse-moi, je vais masquer une lyonnaise. Mais là, on voit la lumière. Voilà. Prenez les références. Voilà, ça, je crois que rien que le fait de marquer MM Park avec un K France. Voyez, vous avez un numéro de téléphone, vous avez des coordonnées. Oh mon dieu, c'est flou. C'est trop flou parce que c'est trop près. Enfin, ceux que ça intéresse, vous me le dites dans le chat et puis je vous remets ça en clair. Donc, je suis en train de vider mon sac, de dire des âneries. J'ai toujours pas déployé ma serviette de miam qui a dû être retirée accidentellement de mon sac. Ah non, ça c'est bien ça. Voilà. Voilà. Tada, hygiénique. Enfin, plus hygiénique que. Pardon. Et là, au loin, t'entends les chevaux hennir. Il fait peur l'humain, il est éternué au loin. Alors, pardon, je vais chipper des chips, j'arrive. Bonjour, monsieur Nayonnet. Vous connaissez la nouvelle taxe du sage de Nancy? Moins 10% de chips. Merci, monsieur. Je suis le percepteur des chips. Merci, monsieur. Alors, comment ça va en ce moment? Vous avez la frite? Non. Il y a des belles pièces. Hein. Miam. Miam, miam, miam. Et le gobelet dégueu. LSDN. Yeah. Il est toujours là. Bah, t'entends, même le corbeau se moque de moi. Oui, d'accord. Il est d'accord avec toi, le corbeau. C'est ça. Il croira en moi.
T'as de l'eau fraîche ou pas? Non merci. Non, je me drogue. Je me carbure aux multivitamines comme tu as pu le voir. Attends, je regarde les dates des sandwichs. Parce que j'ai le triangulaire aussi maintenant. Tu veux 12, lui dit quoi? Peut-être que je mange le plus périssable. Ah merde, 10-10. Non, alors je vais plutôt manger une méga cheddar avec du 10-10 que mon long qui est du 12. On est déjà le 10? Non. Attends. Et Jess, son anniversaire, c'était le samedi, 12. C'était le 7. Ah, je croyais que c'était le 12. Non, c'est le 7, son anniversaire. Bon, bah, du coup, j'ai passé des bons anniversaires. Alors, c'est pas grave, même en retard, il va adorer que tu lui souhaites. T'en fais pas. Donc, on est dimanche 8, on est le lundi 9. Donc, mon truc est périmé demain. Et je vais plutôt manger le triangle. Parce que sinon, ça va pas être cool. J'avais retenu que c'était le 12, je sais pas pourquoi. Pardon? J'avais retenu que c'était le 12. Hein? J'ai retenu la date d'anniversaire d'Aeroster. Il est né le... Là, je sais. 20 septembre 1980. Ouais. 20 septembre 80. Je m'en fous, je note tout. Quand je connais une date d'anniversaire, je la note. Christella, je balance. Elle est née, je crois, le 17 février ou le 14... Non, maintenant, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je crois que c'est le 30 février, elle a dit. Le 30 février. Non, j'ai capté sa vraie date d'anniversaire, Christella. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est à votre avantage, parce que de temps en temps, j'ai plaisir quand je peux vous offrir un petit jeu pour marquer le coup. Non, je balance, je suis vilain. Non, je crois que c'est le 17 février, Christella. Je dirais pas l'année, hein. Ce serait inélégant de ma part, irrévérencieux, ouais. Comme on dit. Ça se fait pas envers la gente féminine. Je suis pas prêt d'oublier la date de l'anniversaire d'anniversaire, je suis pas prêt d'oublier. Ça m'échappera pas. Parce que c'est une date spéciale. Oh. J'ai une amie justement qui est née le 14 février, donc la Saint-Valentin. Ah, je pouvais pas zapper. Ah là là là, j'espère qu'elle va bien parce qu'aujourd'hui elle est en maison de retraite. Ah. Il y a des marrons qui tombent. Heureusement qu'on n'a pas pris cette table. Il y a eu des bosses. Il y a quand même un marronnier au-dessus de nous. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que lui, il a perdu ses marrons. Celui qui est au-dessus de nous. C'est pour ça que j'étais à peu près confiant. Encore que non, je dis là au bout, j'en vois. Au bout des branches, merde. On va s'en prendre un dans la tronche. Il ne faut surtout pas que ça tombe sur la caméra. Bon, vu la probabilité est faible, mais elle existe. Il ne faut surtout pas que ça tombe sur la caméra, sinon ça pète le téléphone. Non, puis je savais même pas. Alors là, vous ne l'avez pas dans la caméra parce que c'est derrière. Mais en me retournant, j'ai vu qu'on peut voir passer des cavaliers en chevaux. J'ai pensé à prendre une poubelle. Oh, très bien. Plusieurs. Faut que je sorte mon deuxième téléphone avec les anecdotes. Ah ouais. Ah oui, mon mémo sur les faits divers. Oh, il y en a des énormes. Ah, la deuxième bête. Non, mais je suis heureux d'être équipé. Merci, tout plein, c'est un bonheur. J'essaie de faire partager au maximum. Mais c'est un bonheur. Alors, je vais demander dans mes fichiers. Merde, je m'étais pas mis une icône sur le téléphone, accès à l'arborescence du téléphone. Comment je fais pour accéder au fichier, moi?
Oh, c'est mal foutu. C'est Windows correctement. Ouais, non, c'est Android là, mais. Oh merde. Attendez, pardon. Pourquoi il me dit que j'ai un message de téléphone? Ah, c'est des pubs à la con. Ah, j'ai même pas vu que tu m'avais répondu. Moi aussi, avec du retard, je dois voir ton SMS. Oui, d'ailleurs, j'avais du retard. Il n'y avait pas que l'écureuil. Mais là, c'est une photo, je pourrais vous la montrer. Un papillon de nuit qui était proche de chez moi, sur un mur d'une baraque, que j'ai pris en photo. Et on aurait dit une mythe géante. Mais c'est un papillon de nuit. Voilà, mes fichiers. Ça y est, c'est revenu. Je me disais, mais je t'ai fait une icône sur le téléphone parce que je devenais fou. Comment ça, carte SD non insérée? Je crois que j'avais mis une carte SD dans le téléphone. Oh merde! Ou alors je l'ai mal insérée ou je ne l'ai pas initialisée, peut-être. Faudrait que j'arroie ça, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Non, caméra. Pourquoi j'ai du truc dans la caméra, moi? Oh là 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 là, j'ai même des photos du boulot. J'ai oublié de vider le téléphone. C'est pas grave. Attendez, dans quoi j'ai mis le fichier? Dans download? Ah oui, promenade, sujet de conversation. Et je dois avoir mon... Non, c'est un vieux truc, ça. Merde! J'ai retrouvé, il y a longtemps que j'ai retrouvé ma liste de sujets de conversation de notre première promenade de la saison. Tu sais, sur le plateau de Malzéville en avril dernier. Tu sais, où je parlais de la NASA, où je parlais de Wisebot, où je parlais de la foire, des pinces escrocs, que je parlais du film Gran Turismo que j'espérais voir au cinéma. Depuis, ça a été fait, je vous ai fait une critique d'ailleurs sur ma chaîne. Et tu te souviens, le livret sur Nancy avec le restaurant, je t'avais parlé des petits oignons, que j'étais scandalisé parce qu'ils ont fait le bouquin au moment où les petits oignons étaient en travaux pendant 2 ans. Et du coup, ils ne figurent pas dans le bouquin au niveau des sandwicheries. Et je disais que c'était un scandale parce que les petits oignons, c'est délicieux. À l'époque, il y a 20 ans, quand j'étais étudiant, ils faisaient le Yeti. Le Yeti, à l'époque, c'était 10 euros pièce. Tu avais 3 steaks, une baguette entière. C'était le plus monstrueux des sandwichs. Tu apparais comment à la caméra, là, en fait? Juste le coin du visage? Alors, tu mets 3 colonnes. Tu es sur la colonne de gauche. D'accord. Voilà. Au centre de la colonne centrale, il y a ton gobelet bleu. Et voilà, puis le reste, il y a le parc. On voit. C'est beau, ça fait un truc en profondeur quand tu filmes. Moi, je ne me filme pas, je ne mets pas dans le champ de la caméra parce que vous voyez ma tronche tout le temps. Oui. Comme c'est ma chaîne, excusez-moi, vous comprenez. Moi, c'est plus facile dans la coulisse d'être derrière à manipuler des trucs. Il y a toujours le problème avec la caméra qui se coupe de temps en temps sur tes lives. Ma webcam, mon USB, oui. Bah, là, ça me l'a fait avec classe hier, ça me l'a fait au moment où j'arrêtais mon direct. Ça, la caméra, l'USB, elle a lâché 10 minutes avant. Puis j'ai dit non, je vous la remets pas, excusez-moi, je m'en fous, je vais rendre mon antenne. Alors, je vais me coucher, il était je sais plus quelle heure. Non mais, c'est moi qui en demande trop à l'USB de mon PC. Je le mets à 100% de ses capacités et je l'épuise. Donc, faut pas chercher à comprendre au-delà. Mouche là, du bruit. Pas de geste brusque. Je sais, c'est horrible, c'est chiant, mais quand t'as une guêpe ou je sais pas quoi qui tourne autour. Ça me donne envie de faire le footing ici, tu vois. Cool, ouais, t'aimes bien la course à pied? J'aime bien la marche rapide. J'aime marche bien rapide. Le footing, mais ça abîme les articulations, au dos, tout ça. Il vaut mieux faire la marche rapide, c'est moins brutal. Je vais réessayer. C'est de marron. Je vais essayer de toucher le tronc. Oui, encore. Je m'en fous, le moins éclaté. Presque, dommage. J'ai réussi au deuxième coup tout à l'heure, mais. Je vais au moins toucher les feuilles. Attention, il y a quelqu'un qui arrive. Oui. Cessez le feu. Cessez le feu. Bon. Je rigole, mais j'ai toujours pas retrouvé mes sujets de conversation. Bon.
Oh, presque. J'ai eu du dem. Non. Il y a une guêpe qui est venue sur mes lèvres. Ça m'a perturbé. Ah, presque. Bon. Comment ça, dans l'autre? Non, j'ai dû mettre ça sur l'autre téléphone, en fait. Merde. Mince. Donc c'est sur celui-là, en fait, que j'ai les sujets de... Alors, est-ce que je peux zapper mon application? Ou alors, je fais une petite pause et je reprends juste après.